Voilà, nous avons là le vol Air France AF831 FGZK-CK. Donc hier soir, un agent de la GTA en état d'ébriété avancé a eu à tirer deux coups de feu qui ont causé les impacts sur l'appareil. Donc je m'avance là vers le bas, là où se retrouve le réservoir de l'avion. Au niveau du réservoir, vous allez constater il y a un trou au niveau du réservoir, le trou que vous voyez là. Ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, là où la munition est rentrée et s'est bloquée à l'intérieur, en bas de la soute. On ne sait pas si elle a traversé la soute. Et par terre, nous avons les étuis. Des deux balles qu'il a tirées. Et une munition qu'il a refoulée après le coup de le tir. Puisque là, nous sommes toujours sous l'avion, sous les ailes. Il est venu, il a retiré son chargeur d'ici là. Il a fait sortir la balle de la chambre. De l'avion.